Bonsoir, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Troisième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. En quatrième région militaire, une journée consacrée à l'inspection des unités du secteur militaire de Biskra. Nous reviendrons sur les activités et déclarations marquantes du général de corps d'armée dans cette édition. L'actualité de ce mercredi a été marquée par la rentrée scolaire. Plus de 9 millions d'élèves ont rejoint aujourd'hui les bancs de l'école. Le coup d'envoi officiel a été donné à Gardaïa par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. L'instance de dialogue et de médiation poursuit ses rencontres avec les membres de la société civile et les partis politiques. Aujourd'hui, c'était au tour de représentantes d'organisations féminines. Enfin, nous parlerons de la cérémonie organisée en l'honneur des 125 médaillés algériens aux Jeux africains 2019. La cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports au Centre international des conférences Abdel Latif Rahal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Poursuivant sa visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a consacré cette troisième journée à l'inspection des unités du secteur militaire de Biskra. Le général de corps d'armée a procédé également à l'inspection du projet de réalisation du centre de repos et de cure thermale avant de se réunir avec les cadres et le personnel des unités de Biskra. Les détails avec Adel Saadoun. À l'entame, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection du projet de réalisation du centre de repos et de cure thermale à Biskra, dont il a posé la pierre angulaire le mois d'octobre 2017 et dont l'achèvement est prévu au terme de l'année en cours. Au niveau de ce projet prometteur, qui réunit toutes les conditions de confort, d'hébergement et de cure, le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur ce projet et s'est enquis de la qualité et de l'état d'avancement des travaux, comme il a donné les orientations et des instructions responsables de la réalisation de cet important projet afin de pouvoir le réceptionner dans les délais impartis. Sachant que 4 centres de repos et de cure thermale sont en cours de réalisation au niveau de Hammam Rira en première région militaire, Bouhnifia en deuxième région militaire, Hammam Dber en cinquième région militaire et celui de la quatrième région militaire. À l'issue de la cérémonie d'accueil à l'école supérieure des troupes spéciales et en compagnie du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l'école intitulé « Un détachement des troupes spéciales lors d'une mission de riposte à une embuscade » en utilisant tous les moyens requis pour ce genre d'opération minutieuse et sensible, notamment le véhicule Fox 2 fabriqué dans notre pays avec des mains algériennes. L'exécution de cet exercice qui représente le coup d'envoi de l'année d'instruction 2019-2020 a été marquée par une haute précision, une sérénité d'exécution et un grand professionnalisme. Ce sont là les qualités et les caractéristiques manifestes par lesquelles se distinguent les hommes des troupes spéciales lors de l'exécution de ce genre d'action de combat efficace et rapide qui exige une parfaite maîtrise des armes. Ceci confirme incontestablement et effectivement le haut niveau atteint en termes de formation et d'instruction dispensée par l'École supérieure des troupes spéciales à ses élèves et stagiaires dans le but d'élever en permanence les attitudes, les capacités et la disponibilité des éléments à accomplir les différentes missions de jour comme de nuit et dans toutes les conditions et les circonstances. المكتسبة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة المبنية على أسس علمية ومناهج بلاغوجية وهذا باستخدام النضالات العلمية
À l'issue, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels des unités du secteur de Biskra et avec les responsables des différents services de sécurité, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence et à travers laquelle il a rappelé quelques points essentiels contenus dans son allocution prononcée au secteur opérationnel nord-est in Amines lundi dernier. على بعض النقاط التي تناولتها في كلمات يوم الاثنين الماضي بين مناص بالنظر لما لها من اهميه. J'aimerais à cette occasion rappeler et insister sur quelques points que j'ai abordés lors de mon allocution lundi passé à In Amenas. Au regard de son importance quant à l'avenir du pays en cette phase sensible, où certains partis politiques demandent à dialoguer, voire négocier directement avec l'institution militaire en s'inspirant des expériences de certains pays de la région dans la gestion des crises. Ils ont omis sciemment que l'Algérie, avec son illustre histoire, son vaillant peuple et ses positions leaders et immuables, est l'exemple à suivre et non pas le contraire. En dépit du fait qu'ils sont pleinement conscients de notre position constante à ce sujet, à propos duquel nous avons affirmé plus d'une fois que l'armée nationale populaire restera attachée à une résolution de la crise dans un cadre constitutionnel, partant de sa conviction que l'État moderne est un État d'institution et l'attachement à la Constitution est un paramètre essentiel pour préserver l'existence et la continuité de l'État. Ainsi, elle œuvre à l'accompagnement du peuple algérien digne qui revendique avec insistance et prestement la tenue des élections présidentielles. Ce peuple auquel nous témoignons toute la reconnaissance et la gratitude et qui a soutenu avec force toutes les initiatives salutaires entreprises par l'institution militaire. L'acharnement sur l'institution militaire fait partie d'un plan abject dont l'objectif est de bloquer et neutraliser le rôle de l'armée qui a donné un exemple à tous en termes de dévouement, de loyauté et de protection de la patrie et a prouvé sur le terrain sa capacité à consacrer le lien solide entre le peuple et son armée. Son commandement était le premier à répondre aux revendications populaires avant tout autre parti, ce qui a menacé les intérêts de la bande et de ses acolytes et a mis en échec leur plan visant à redéfinir le paysage national général selon leurs envies et celles de leurs maîtres. Nous leur disons « Laissez l'Algérie à ses fidèles enfants ». Car ils en sont dignes et capables de la construire et de la protéger. Nous sommes convaincus que notre valeureux peuple, qui aspire à vivre dans la paix et la quiétude, et dans la sécurité et la stabilité, mérite de vivre dignement dans son pays. Ce peuple que l'on cite en exemple dans l'amour de la patrie et la loyauté a soutenu et approuvé les efforts de l'institution militaire. Concernant les élections présidentielles, j'aimerais insister encore une fois que la situation ne peut tolérer plus de retard. Elle exige au contraire la tenue de ces élections décisives pour le présent et le futur du pays dans les délais que j'ai évoqués lors de ma précédente intervention, qui sont des délais raisonnables et acceptables, qui reflètent une revendication populaire insistante à même d'instaurer l'état d'équité de droit. L'état de droit, nous ne nous lasserons jamais d'affirmer notre position et notre accompagnement aux hommes de la justice qui remplissent leur noble mission avec loyauté et veillent à recouvrer l'omnipotence de l'État en traitant les différents dossiers de corruption et en rassurant le peuple algérien qu'il appartient à un pays d'équité et de droit, un peuple que la bande n'a pas hésité à déposséder et à accabler, ce qui nous appelle à chaque fois à affirmer notre soutien aux efforts des hommes de la justice, à les épauler et dont nous saluons le courage et la détermination pour assainir notre pays de ses corrompus.
L'égoïsme a aveuglé ceux qui ne connaissent pas la valeur de ce pays et de son peuple, qui excellent dans la diffamation et la médisance, et tentent vainement d'induire en erreur l'opinion publique et semer le doute sur toute initiative nationale salutaire pour résoudre la crise, œuvrant à pousser notre pays vers des méandres aux issues incertaines, au service des intérêts de la bande et de ceux qui gravitent autour d'elle. À ces conspirateurs aventuriers, nous disons qu'au sein de l'armée nationale populaire, nous demeurerons toujours aux côtés des citoyens fidèles et loyaux au serment des vaillants shuhada, car nous n'avons aucune autre loyauté qu'envers Allah et la nation. Le général de corps d'armée a souligné que l'attachement de l'armée nationale populaire à réunir les facteurs de la modernisation dans tous les domaines, partant du fait que le segment de la formation est la pierre angulaire de toute démarche de modernisation réussie, a conduit le haut commandement à conférer une importance considérable et permanente aux établissements de formation. Notre attachement au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à réunir les facteurs de la modernisation dans tous les domaines, et notre conviction que le segment de la formation constitue la pierre angulaire de toute démarche de modernisation réussie et en phase avec l'ère de la science et du savoir, nous incite à conférer une importance capitale et permanente à nos établissements de formation et à veiller à ce qu'ils adoptent les méthodes didactiques et pédagogiques modernes, théoriques et pratiques qui reposent sur les techniques avancées. Nous avons une totale confiance en la capacité de l'école supérieure des troupes spéciales à s'acquitter de son rôle. Les résultats palpables et probants qu'elle ne cesse de concrétiser sont le meilleur témoin de ce que nous disons. En effet, le haut niveau dont elle fait preuve chaque année à l'occasion des différentes sorties de promotion dénote des efforts fournis tout au long de l'année grâce aux efforts consentis par tout un chacun. Ce sont là des bilans dont nous exigeons qu'ils soient améliorés davantage, mais dont nous sommes fiers, puisqu'ils véhiculent une bonne et reluisante image qui reflète l'intérêt accordé au parfait accomplissement des missions et du devoir dans ce domaine vital et avec un maximum d'efficacité. Au moment où nous passons revue et valorisons les métiers et exploits de cet édifice de formation d'excellence, il ne faut absolument pas oublier que malgré tous les efforts fournis par l'établissement de formation en vue de procurer un haut niveau à ses élèves et stagiaires, la récolte des fruits de ces efforts sur le terrain demeure tributaire de l'homme. À ce titre, il incombe aux stagiaires à tous les niveaux de faire de la période des formations durant leur carrière professionnelle une opportunité pour forger leurs talents, améliorer leur performance sur le terrain et optimiser leur rendement individuel et collectif pour pouvoir compter parmi les élites de demain. Ceux-là seuls auront le mérite et l'honneur d'être parmi ceux à qui l'avenir de l'armée nationale populaire sera confié et qui auront à assumer pleinement leurs responsabilités au sein de cette institution nationale prestigieuse et stratégique. الفردية والجماعية حتى يتمكنوا من حج مكانتهم ضمن نخب الغد فهؤلاء وحدهم من تكون لها الجدارة في نيل الشرف تصدروا صفوف من يوضع مستقبل الجيش الوطني الشعبي بين أيديهم. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres et des personnels de l'école supérieure des troupes spéciales, qui ont exprimé leur fierté des évolutions qu'enregistre l'armée nationale populaire sur tous les échelons et leur engagement à s'acquitter de leur mission de jour comme de nuit en toutes conditions. Restez avec nous, on revient juste après l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. Mmh.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته تقبل الله صلاة الجميع بالمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Les propos du chef de l'état-major de l'armée nationale ont suscité l'enthousiasme de nos concitoyens. Écoutons. سمع مدني نحيي المؤسسة العسكرية وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح على المجهودات اللي بتبذل فيها في لمرافقة الحراك ومرافقة الشعب الجزائري لتحقيق كل مطالبه وإن ثبت أنه تقريبا 90% من المطالب راهي تحققت ولا ينكرها الا جاحد او حاقد على هذه البلاد وحنا نحييو كمجتمع مدني نحييو المؤسسه العسكريه لانها ثبتت باللي راهي جيش وطني شعبي سليل جيش التحرير الوطني وكذلك نحييهم على القرار هي ضروره استدعاء الهيئه الناخبه في 15 سبتمبر وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الانتخابات الرئاسيه لابد ان تكون في اقرب الاجال الإسراء في انتخابات رئاسية في أقرب وقت من أجل عدم إطالة زمن الأزمة مدة الأزمة وهذا مطلب أعتقد أنا شخصيا هذا رأيي الشخصي أنه مطلب شعبي من الأول منذ كنا رافضين العهدة الخامسة أعتقد أن الإسراء في انتخابات رئاسية تكون نزيهة وشفافة وديمقراطية لتكون أول تجربة للجزائر تكون إن شاء الله انتخابات تعبر فعلا
عندنا طموحات الشعب. نحن نثمن موقف الجيش الشعبي الوطني في هذه القضية، ونشكره بزاف على مرافقته للحراك وتحقيق مطالب أغلب مطالب الشعب. وإحنا في لازم نروحوا في، أنا نمشي مع نفس الرأي، لازم نروحوا للانتخابات في أسرع وقت ونعينوا رئيس به يبدأ في الإصلاحات، لأن المجال الاقتصادي ما ينتظرش أكثر من هكذا. نثمنوا الشيء اللي جات به المؤسسة العسكرية، وهو إجراء انتخابات في أقرب وقت من أجل انتخابات نزيهة وشفافة وكل ما يلزم، واختيار الرئيس اللي احنا كمجتمع مدني اللي راح يجي رانا نقول له من اليوم، باش من بين يعني البرنامج تاعه هو استكمال محاربة الفساد والمفسدين في الجزائر، يعني يكملوا الشيء اللي بداو فيه يعني دركا. والمطالبنا يعني اليوم هو اجراء انتخابات في اقرب وقت ممكن. On est pour les élections présidentielles dans un plus bref délai et voir un choix une sélection. Quant à l'armée, elle leur tient chapeau. هي الانتخابات لا محاله، لان ما نقدروش نزيد نخسروا وقت ونروح ونبقى في دوامه ولا ندخلوا في حوايج اخرى. نحوسوا انتخابات تكون نزيهة شفافة. أنا ماذا بيا يكون هذا الفوت باش نديروا رئيس البلاد، تمشي البلاد، تتسقم البلاد. بيان سور نشارك ان شاء الله المؤمن في المؤمن، ان شاء الله بلادنا تكون مسقمة ومعدلة. احنا نحوسوا على الصلح ونحوسوا على الحوايج الزينة، ماناش نحوسوا على الحوايج اللي ماشي ملاح. يا أخي بنتي إيه، وحنا نقولوا نطلبوا من ربي العالمين يعطينا إنسان اللي كي يحلف يكمل باليمين تاعو. كما قال يعني سي قايد صلاح، يعني لازم يعني هو قال لك حنايا لازم الدستور نطبقوا الدستور، لازم يكون رئيس. والناس اللي راهم ضد ما باش ما يديروش راس، هذوك الناس مفسدين وضد البلد. لانه هو يعني الخطاب الاخير في ورقلة يعني يهضر الحقيقه، قال هو الحق، ولا الانسان اللي ما بغاش الحق يا خويا بينه وبين رب العالمين، يعني نشكره يعني ما فعل. هذه قايد خدم الواجب تاعه والشعب معاه، احنا نتمنى ان شاء الله يكون رئيس على البوط، يكون رئيس يخاف الله سبحانه وتعالى، والكلمه تاع الشعب هي تهضر. نتمنى ان شاء الله نروحوا للانتخابات في اقرب وقت، لانه الوقت ما راش يسمح لنا، لان الحاله تاع البلاد والوضعيه اللي راهي فيها البلاد ما يسمح لناش باش نزيدوا نتعطلوا وما نديروش انتخابات. وماذا بينا حاجه يعني باش يتقدموا شباب يعني يتقدموا يترشحوا الرئاسيات. الانتخابات لازم تكون، اذا ما احناش الانتخابات رانا راح ندخلوا في فوضى. كما نقولوا هادو هما لامي خوجي يقول لك ما كاش انتخابات، هادو هما راهم يحبسوا على الفوضى، هادو هما ما يحبوش لهنا البلاد. كما البلاد هذه لازم لها رئيس، لازم الفوت اوبليجي. اي ماذا بيا يديروها غدوة، انا كنجمع عليها هنا، ماذا بيا غدوة يديروها، لان جسد بلا راس ما كان والو. L'actualité de ce mercredi a été marquée par la rentrée scolaire. Plus de 9 millions d'élèves ont rejoint aujourd'hui les bancs de l'école. Le coup d'envoi de cette rentrée a été donné à Gardaïa par le ministre de l'Éducation nationale, Camille Amlel. C'est à partir de la wilaya de Gardaïa que le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a donné le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire 2019-2020 avant d'assister au cours inaugural consacré cette année à l'amour de la patrie, la fidélité à l'unité nationale et le rejet de toute forme de fitna. الوطن هو البلد الذي نشأت فيه وترعرعت فيه منذ الولادة. نعبر عن حبنا للوطن برفع العلم الوطني وتلاوة النشيد الوطني في مدرستي أو في المحافل الوطنية والدولية. حب الوطن والوفاء له هو الحفاظ على مقدرات الأمة وعلى خيرات الوطن، هو الابتعاد عن الفساد، عن التبديد، عن التبذير، عن كل مظاهر السطو على مقدرات الأمة، وكذلك التصدي بكل قناعة وبكل شخصية معنوية وشخصية حقيقية لكل ما يمس بأمن هذا البلد وبوحدة هذا البلد. Cette rentrée scolaire est marquée, entre autres, par l'augmentation de la prime scolaire, fixée depuis 1994 à 400 dinars, à 3000 dinars pour chaque enfant scolarisé dans les cycles primaires, moyens et secondaires.
Quant à la prime de solidarité pour les catégories démunies, elle est passée de 3 000 dinars à 5 000 dinars. قدرة مليحة بالنسبة كأولياء المعلومة اللي سمعنا باللي هم زادوا لها 5000 دينار احنا ندينا غير 3000 دينار وان شاء الله ماذا بينا يحل يزيدونا فيها شوية وراك تعرف الأدوات المدرسية والحقائب هادم والآخر اسما جاتنا شوية Il faut rappeler que cette année, le secteur de l'éducation a bénéficié de nouvelles infrastructures éducatives sur tout le territoire national. Pour ce début d'année scolaire, tous les moyens humains et matériels ont été réunis pour permettre une bonne prise en charge des élèves. Une rentrée sociale et scolaire qui a suscité une mobilisation de plusieurs départements. Et d'ailleurs, plusieurs ministres sont descendus sur le terrain pour s'assurer du suivi des instructions du Premier ministre. Voici le compte-rendu de Nserine Ben Saïdi. Plus de 9 millions d'élèves ont rejoint aujourd'hui les bancs des écoles au titre de la rentrée scolaire 2019-2020 et ce à travers plusieurs wilayas du pays. À Annaba, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi a donné le coup d'envoi officiel depuis l'école Zouar Salah où il a insisté sur la responsabilité du secteur de l'éducation dans la préparation des générations futures sur le plan du savoir et de la morale. ونعاودوا نقولوا الدوله تاعنا راهي دارت لنا مكسب عظيم لازم نحافظوا عليه ننقل كذلك كل Nous saisissons aussi cette occasion pour soumettre les préoccupations des citoyens de la région au ministère de l'Éducation et au gouvernement. Soyez sûrs qu'il y aura des réponses favorables face à ces préoccupations. À Béchar, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayyip Bouzid, a présidé au CEM Bachir Ibrahimi la cérémonie de l'ouverture officielle de la nouvelle rentrée scolaire où il a indiqué qu'un projet de réalisation et d'équipement d'une faculté de médecine a été retenu pour cette wilaya. Les Algériens sont connus pour leur amour de la patrie. Ils l'ont même prouvé à maintes reprises et dans plusieurs occasions. Ceci n'est qu'un rappel pour dire que nous avons un beau pays qu'il faut préserver. À Oran, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tijani Hassan Haddam, a estimé que l'objectif des pouvoirs publics est d'atteindre un taux d'analphabétisme de 0%. L'État tient à ce que cette nouvelle rentrée se déroule dans de bonnes conditions. La wilaya d'Oran a bénéficié de 40 établissements scolaires au profit des 400 écoliers. Amsila, la ministre de l'Industrie et des Mines, Jamila Tamazir, a relevé que des moyens colossaux ont été mobilisés par l'État pour promouvoir l'école algérienne. L'État a insisté à ce qu'elle soit présente en force à travers toutes les wilayas du pays pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle rentrée scolaire. Une rentrée scolaire qui s'annonce positive à travers tout le territoire national. De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Rania Edalia, s'est enquise des conditions d'accueil dans des établissements relevant de son secteur. Des centres spécialisés comme celui du Centre psychopédagogique pour enfants aux besoins spécifiques ou encore le Centre des sourds muets à Alger. Anissa Bouzid. Garantir une meilleure prise en charge des enfants aux besoins spécifiques, une stratégie que la ministre de la Solidarité nationale, Rania Edalia, tient absolument à concrétiser et ce, à travers la signature d'une convention interministérielle pour la prise en charge pédagogique des personnes aux besoins spécifiques. Nous avons signé avec l'éducation nationale, la santé, la formation professionnelle, une circulaire intersectorielle en vue de consolider les efforts. Toujours au profit de cette catégorie d'enfants, parce qu'elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Il faut le concours d'un nombre important de ministères pour bien sûr parvenir à répondre aux besoins divers de ces enfants et de leurs parents, bien sûr. Et alléger bien sûr les contraintes dont subissent les parents à travers la prise en charge de leur enfant.
Lors de sa visite, la ministre s'est arrêtée sur les différents établissements scolaires et centres spécialisés d'Alger. La participation à l'ouverture de la rentrée scolaire ou de l'année scolaire au niveau de certains établissements, dans des établissements relevant de la solidarité nationale qui accueillent les catégories d'enfants handicapés, mentaux, visuels, auditifs, et quelques écoles relevant de l'éducation nationale. À savoir que l'éducation nationale, Tani, travaille en étroite collaboration avec les DAS, avec les directions de l'action sociale, en vue d'ouvrir les classes spéciales, qui en vise derrière bien sûr l'ouverture des classes spéciales, l'intégration de ces enfants atteints d'handicap au sein des écoles de l'éducation nationale et leur permettre de jouir des mêmes programmes et des mêmes chances bien sûr dont jouissent le reste des enfants normaux. Pour rappel, 675 nouveaux sièges pédagogiques ont été consacrés au titre de la prochaine rentrée. La prime de solidarité scolaire de 3 000 dinars a été aussi revue à la hausse à 5 000 dinars au profit de 3 millions d'élèves démunis. L'instance de dialogue et de médiation poursuit toujours ses rencontres avec les membres de la société civile et les partis politiques. Aujourd'hui, l'instance présidée par Kerim Younes s'est réunie avec des représentantes des associations féminines. Pour sa part, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, a déclaré à l'occasion d'une visite qu'il a menée dans la Haute Kasbah, le musée du Bardo et le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, que le dialogue demeure important pour préparer des élections démocratiques et transparentes. On l'écoute. يعني بصفة مباشرة مع المواطن سواء في هذه الولاية أو في ولايات أخرى سواء في الحظائر يعني في المدن أو في القرى رانا نلقاو الناس يعني أولا تأمن بالقيم الوطنية هذه الأولى ثانيا الناس يتمنوا الخير للبلاد هذه والناس راهم يقولوا إن شاء الله رب العالمين نمروا من هذه الأزمة إلى مرحلة أخرى نديروا سيدي هذه الانتخابات لأنه ما فيش حل آخر ونوليو حتى احنا عندنا رئيس ان شاء الله وهو يدبر الامور بكل شفافيه وديمقراطيه. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Khinchla, qui représente la 5e région militaire, deux éléments de soutien au groupe terroriste. Tandis qu'un autre détachement a découvert un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur de munitions lors d'une opération de fouilles et de recherche menée à Tindouf, 3e région militaire. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Biskra, 4e région militaire, un contrebandier et saisi un véhicule utilitaire chargé de 72 500 unités de tabac, alors qu'un autre détachement a saisi à Borj Badi Mortar, 6e région militaire, un camion chargé de 3000 litres de carburant. Également, 16 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, 2e région militaire. Un mot de sport, les 125 médaillés algériens aux Jeux africains 2019, disputés du 19 au 31 août au Maroc, ont été honorés hier soir au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. La cérémonie a été organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et a été couverte par Mourtar Hemani. Très belle moisson algérienne aux Jeux africains de Rabat méritait un très bel hommage aux différents acteurs de cette réussite. Le message du Premier ministre Nordine Bedoui à travers son chef de cabinet Abdelhakim Chatter était porteur d'encouragement et surtout bien accueilli par l'ensemble des champions. الذين تألقوا في هذه الدورة وأن أتوجه بأحرى التهاني للمتوجين بالميداليات منوها بجهود كل من ساهم من قريب أو من بعيد في تحقيق النتائج المسجلة في هذه الدورة.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Barnaoui, a tenu lui également à remercier les médaillés pour leurs efforts et leur comportement exemplaire. Très belle participation. On peut dire qu'on s'estime heureux que le sport algérien est revenu. Et on peut dire de loin, parce qu'il faut rappeler que le sport a connu beaucoup de turbulences dans ce mandat, surtout au début de mandat. Et là, c'est classé quatrième, c'est-à-dire on maintient notre classement par rapport à l'édition passée, avec un effectif jeune. Je remercie infiniment son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'avoir honoré ces athlètes, parce qu'on le dit que c'est ça, c'est un cadeau du gouvernement, à leur tête, Monsieur le Premier ministre, qui a tenu à honorer ces champions. Les athlètes, la fierté du sport algérien, ont à leur tour exprimé leur reconnaissance quant à cette distinction. Aujourd'hui, on est très fiers de faire partie de cette sélection, de faire partie des athlètes Hadouli Djabou, une médaille. Et on est très contents d'avoir cette réception. Hanal Moussara a un amal kbira, alhamdoulilah. مصارعه 4 ميداي دور ارجون 3 برونز الحمد لله كنت على الميداليه يعني جات بعد تعب وتعب بزاف تحضيرات بزاف درناها باش لحقنا هذه الميداليه الحمد لله التعب تاعنا ما راحش باطل 125 ميداي au total dont 33 en or un réel signe révélateur positif en prévision des Jeux olympiques de Tokyo et des Jeux méditerranéens d'Oran. Félicitations à nos champions. Toujours dans le sport, les Verts reprennent du service avec un statut de champion d'Afrique brillamment acquis en Égypte. C'est désormais avec un maillot de 2 étoiles que la bande de Belmadi aborde les séances d'entraînement au centre national de Sidi Moussa en prévision du match amical face au Bénin. Le match est prévu le 9 septembre prochain au stade du 5 juillet. Les détails avec Sarah Delbel. Plus qu'un match amical pour les Verts, il s'agira de retrouver le public algérien après le sacre africain. Et si pour la plupart des joueurs l'aventure continue, pour Rafik Halish, le duel face au Bénin constituera un match d'adieu pour un joueur modèle. نتمنى تكون الجمهور يكون حاضر بقوة أولا باش يعني يشكروا المجموعة اللي فازت بكأس إفريقيا وثانيا التشجيع الفريق وانا بالنسبه ليا ثالثا اكيد مادابيا يعني المباراه النهائيه يكون بحضور جماهيري غفير وان شاء الله كذا باش نودعهم على احسن طريقه ان ماتش دادزو بور حليش مي ان رونديفو دو بريباراسيون امبورطون بور لو كوتش ناسيونال اي سي بروتيجي à l'image de زين الدين فرحات auteur d'un excellent début de saison avec Nîmes ou encore Hussein Ben Ayada appelé à remplacer Mehdi Zefen son club et en manque de compétition. Et pour pallier à l'absence de Mohamed Fares pour blessure, Ilyes Chiti semble la bonne solution pour Djamel Belmadi, alors que Ben Rahma a été rappelé en sélection. Je le vis très bien et je suis super content de faire partie de ce groupe, parce que c'est un groupe de qualité, donc ça me fait que progresser personnellement et d'avancer. Et j'espère que faire partie du groupe le plus longtemps possible. C'est un match important quand même pour moi personnellement, de me montrer encore plus et pour déjà de montrer ce que je peux faire, ce que je peux apporter à ce groupe. Désormais, la sélection nationale a un statut à défendre. Et pour Belmadi, la Coupe d'Afrique n'est qu'une première station qu'il faudra capitaliser pour se projeter dans l'avenir. Et déjà vers la CAN 2021. Mais surtout la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. L'objectif principal des guerriers du désert. Voici un rappel des titres avant de se quitter. Troisième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 4e région militaire. Une journée consacrée à l'inspection des unités du secteur militaire de Biskra. Nous sommes revenus sur les activités et déclarations marquantes du général de corps d'armée dans cette édition. L'actualité de ce mercredi a été marquée par la rentrée scolaire. Plus de 9 millions d'élèves ont rejoint aujourd'hui les bancs de l'école. Le coup d'envoi officiel a été donné à Gardaïa par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed.
L'instance de dialogue et de médiation poursuit ses rencontres avec les membres de la société civile et les partis politiques. Aujourd'hui, c'était au tour de représentantes d'organisations féminines. Enfin, nous avons parlé de la cérémonie organisée en l'honneur des 125 médaillés algériens aux Jeux africains. La cérémonie, présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports au Centre, a été organisée au Centre international des conférences Abd Latif Rahaï. Fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Ce week-end, le journal vous sera présenté par Sabrina Rouabah. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès dimanche. Excellent week-end à tous. Au revoir.